Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et bonjour ici, bien évidemment. Hello. Ça va bien, bien installé. Tout le monde va bien. J'espère bien sûr que vous avez passé un bon Noël. Bien, en ce lundi, nous allons recevoir immédiatement notre invitée dès qu'elle va arriver. On va sûrement me faire signe d'ici quelques secondes dès qu'elle est en place. Le temps, parce qu'en fait, on a démarré et je crois qu'elle n'est pas tout à fait en place, ça fait rien. Nous allons recevoir celui qui normalement devrait déjà être installé à table, mesdames, messieurs. Et, ah, elle est en place, très bien. Alors attention. Chut, non, non, bah non. Allez-vous-en, allez-vous-en. Patrice, alors. Non, 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 ça va, bougez pas, bougez pas. Nous allons recevoir immédiatement pour cette émission un peu particulière et tout à fait spéciale d'après Noël, mesdames, messieurs, une émission guinguette, comme on dit tout à l'heure. Voici Yvette Orner. Attention, accueil chaleureux. Hein. Alors, si Yvette peut... Il y a une marche. Attention, marche. Yvette, attention, venez ici. Hop. Prenez mon bras, prenez mon bras. Mesdames, messieurs, voici Yvette Orner. Je vous demande un accueil extrêmement chaleureux. Allons-y, s'il vous plaît. C'est parti. Comment allez-vous, Yvette? Bien. Très bien, Christophe. Nous sommes ravis de vous voir. Moi aussi, je suis ravie de faire partie de votre émission. On va parler de votre actualité d'ici quelques... Je vous trouve magnifique. Merci. Magnifique. Pleine forme, magnifique. C'est du Jean-Paul. Ah, c'est du Jean-Paul. Oui. Gauthier, bien sûr. Jean-Paul Gauthier. Évidemment. Vous avez passé un bon Noël? Oui, très bien. Ah, formidable. Formidable. Gâté et tout. Gâté. On a dansé jusqu'à 6h du matin. Et oui, formidable. C'était formidable. Alors attention, mesdames, messieurs, nous allons maintenant rejoindre Patrice Carmouze. Enfin, le voilà. Venez, Yvette. Vous me regardez? Ah, il y a un petit temps d'inertie, vous me regardez, attention. Stop. Voilà, c'est parfait, on va aller un petit peu plus loin. Yvette, je vous en prie, installez-vous. Voilà. Alors, il y a déjà tout de suite des témoins immédiatement, Patrice. Très vite, oui, oui. Yvette, Patrice, Yvette. Monsieur. 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 Hop, rapprochez-vous un petit peu de moi, pardon. Voilà. Encore un petit peu, voilà, comme ça vous êtes bien en face du micro. En face du micro. Alors Patrice, micro qui sont, à oui, côté. Un petit fourreau ici pour mettre votre micro, et nous allons décaler même. Ah, ouais, voilà, nous voilà. Alors, oui, parce qu'on va parler un petit peu dans cette émission de problèmes de cheveux. Parce et vous, que vous pour avez... Noël, bien? Très bien. Ouais. Très bien, ouais. Pour Noël, ça? Non, non, ah, ça, je l'ai mis ah, déjà pour Noël. Ah oui, déjà. Ouais. Je le remets aujourd'hui parce que c'est... Ah, c'est ça les tâches. J'ai gardé propre, pratiquement. Alors, on va parler un petit peu de problèmes de cheveux parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de gens en France qui ont des problèmes de cheveux. Il y a à peu près 8 millions d'hommes. C'est pas le cas d'Yvette. C'est pas le cas d'Yvette. 8 millions d'hommes, mais non seulement c'est pas le cas d'Yvette, mais malgré tout, il y a quand même des femmes qui commencent à avoir aussi des problèmes de cheveux. Donc, excusez-moi, comment s'appelle cette couleur, Yvette? Eh bien, c'est un mélange d'Alexandre de Paris qui ne m'a pas donné la couleur exacte. C'est un mélange à lui. C'est roux, un peu. Alors, si vous voulez, roux, c'est roux foncé. C'est un peu rouge, je ne sais pas. Oui, c'est rouge. Un peu rouge. Oh, vous rouge. Voyez. Voilà. Alors, ça vous va? Merci. Alors, on ne va pas parler de médecine, mais de ce qu'on appelle en gros les compléments capillaires. Ah, les fameux compléments capillaires. Et on va commencer avec Gilles Ménétré, qui est le PDG de Norgil, et qui, alors, vous connaissez tout du complément capillaire hein, et de ce qu'on peut faire quand on a un petit peu des problèmes de cheveux. Mais il y a des lotions quand même. Il y a des lotions. Il y a des lotions. Ah, je ne sais pas si les lotions sont très efficaces. Et on va voir tout à l'heure. Des... Ah, on va voir des ça, comme ça. On ouais. va voir ça tout à l'heure. On va aller doucement. On va suivre Patrice qui très met bien. Tout ça. Et on sait pourquoi. Hein, très bien. Il a de beaux cheveux en tout cas. Bah, c'est un vrai beau complément capillaire. Ah oui. Regardez, il tient bien. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Alors, monsieur Ménétré. Oui. Alors, le complément capillaire, qu'est-ce exactement? Eh bien, c'est une seconde peau, un second cuir chevelu sur lequel sont implantés des cheveux naturels ou de synthèse. Et c'est fixé sur la personne qui a perdu ses cheveux, sur la calvitie. Alors, ça se fait de deux façons, vous allez voir tout à l'heure, soit d'une façon adhésive ou une fixation par microfil. On va voir ça tout à l'heure. Ah, très bien. C'est ça. Voilà. Et alors, et monsieur Peluso? Monsieur Peluso, lui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, M. Peluso. Alors, vous avez un complément capillaire, on peut appeler ça comme ça? On dit une prothèse ou un complément capillaire? On dit un complément capillaire. La prothèse, c'est un peu jambe de bois, œil de verre, c'est pas très joli. Ah, et perruque? Non. La perruque, c'est autre chose. C'est un bonnet que l'on enfile et qui recouvre entièrement. Et le postiche? Le postiche, c'est fait pour les chignons, pour les femmes. Vous voyez, c'est pour les soirées de Noël. Dernièrement, par exemple, on a fait beaucoup de sûrement, postiches. Ouais. Sûrement, bien sûr. Alors, lui, monsieur, ça se voit pas du tout. Non, ça se voit pas du tout. Pas. Eh bien, moi, j'ai perdu mes cheveux à l'âge de 21 ans. Bloom. Carrément, oui. Et puis, je suis resté quelques années comme ça, sans savoir où m'adresser. Et vous le viviez mal? Je ne le vivais pas très bien.
de plus en plus mal. Ah, à la suite d'une maladie, peut-être ? Non, c'était tout à fait non, enfin, si vous n'avez pas perdu tous vos cheveux. Non, vous avez une calvitie. Petit à petit, oui, bien sûr. Et puis, un beau jour, j'ai vu Darnich à la télévision. Et puis, ça a fait tilt pour moi. Mm-hmm. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison. Ce procédé me semble... Ouais, si ça marche bien. Sur un pilote, ça peut marcher pour moi. C'est drôlement bien. C'est bien. Chacun. Alors donc, vous, ce sont des implants, c'est ça ? Non, c'est un complément, un complément de cheveux. Mais là, j'ignore, il est collé, il est fixé par microfibre. Oui, moi, c'est un complément capillaire qui est simplement fixé par adhésif médical, double face. Ça me permet justement d'avoir une certaine liberté d'hygiène et autres. Ah, c'est que vous l'enlevez ? C'est-à-dire que je peux l'enlever, si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors, moi, je peux retirer ça tous les soirs. Bon, il y a une technique, je veux dire, que n'importe qui ne peut pas me l'enlever. Mais il y a une façon de l'enlever. Vous l'enlevez vous-même. Et puis voilà, donc je retire ça. C'est un procédé. Un genre de velcro, chose comme ça. Ah ouais. Non, c'est pas du velcro, double face. C'est un adhésif double face. Hein. Oh ben. Hein. Remettez là pour voir. Voilà, vous la remettez aussi facilement. Absolument. Ah ça c'est bon. Tous les matins. Tous les soirs. Ça me permet de vivre à ma façon, tout simplement. Et si jamais il y avait par exemple un très grand vent, ça ne gêne pas. Non, il n'y a pas de problème. Non, ça tient. Je veux dire que là maintenant, au fur et à mesure. Vous ne faites pas de bateau. Vous faites du bateau. Je fais du bateau. Ah vous faites du bateau avec. Avec. On peut faire tout ce qu'on veut. Je peux très bien me baigner avec ou me shampooiner aussi avec, si je veux. Ah oui. Sans problème. Mais là, si vous voulez, le fait de la tenir d'une certaine façon fait que je puisse la retirer. Ah oui, d'accord, formidable. Là, elle n'est plus exactement comme tout à l'heure. Non, mais... Tout à l'heure, attends, Yvette veut poser une question. Oui, moi, je suis très, très contente, justement, que vous parliez de coiffure et de cheveux, parce que j'ai trouvé des gens, ça fait peut-être... une dizaine de fois que ça m'arrive, je suis désolée, parce que quand j'ai fait le casino de Paris, bon, il y avait des jeunes filles qui dansaient et on leur a mis une perruque qui ressemblait à peu près à mes cheveux, la même couleur. Et alors, beaucoup de gens pensent que j'ai une perruque. Et dans la rue, j'ai une bonne femme qui est venue, qui m'a étiré les cheveux comme ça. Est-ce que c'est du vrai, elle me dit. Alors, je lui dis, écoutez, mais non, mais ça ne va pas. Et vous étirez les cheveux? Je me suis fâchée, oui, je me suis fâchée. Et ça fait une dizaine de fois, à l'hôtel, au restaurant, on me dit, bon, mais est-ce du vrai, voyons, comme ça. Et là, ça arrive à m'ennuyer. Alors, je suis très contente, justement, de pouvoir être dans votre émission et de pouvoir dire ce sont vos cheveux. Que ce sont mes cheveux. Vous voyez, clac, clac. Vous pouvez tirer, vous pouvez tirer. Non, je ne me permettrai pas. Ce n'est même pas une preuve. Ouais. Parce qu'on peut tirer comme sur monsieur. Ah si on tire fort sur monsieur, ça vient. Ah non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Il faut 2-3 minutes. Voilà. Et les rapports avec, les femmes que vous rencontrez éventuellement, vous êtes mariés peut-être. Oui, mais je veux dire qu'il n'y a aucun problème. Je veux dire que ça se passe très très bien. Genre vous sortez de la chambre, tac, tac, vous allez à la salle de bain, tac, 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 vous revenez. Oui, c'est un autre. Non, ça se passe pas comme ça. Je veux dire, dans ces moments-là, je crois qu'elles sont. C'est autre chose qui les intéresse. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que l'amour. J'en doute pas, M. Pierre-Rosa. Attention, l'amour, c'est une beauté intérieure. C'est clair. Sentiment, le comportement, n'est-ce pas ? Bon, donc ça veut dire quand même qu'il y a une solution pour les personnes qui vivent mal leur calvitie. On peut mettre, comme monsieur... Très simple, la solution la plus simple. Hein. C'est la première solution, ça existe depuis une vingtaine d'années, et c'est tout à fait parfait. Tout à fait parfait, oui. On va voir d'autres solutions plus modernes. Je crois même qu'il y a des rugbymen... Et les greffes, ça existe aussi, les greffes. Ah oui, les greffes, c'est autre chose. Ça, c'est la chirurgie, déjà. Ça, c'est la chirurgie. Là, on va aborder vraiment... Là, les choses simples, comme l'a montré monsieur Peluso, je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je la remets. Là, il l'a mis. Et voilà. Monsieur Peluso, merci de votre témoignage. Beaucoup. Ce qui veut dire quand même que vous assumez bien votre calvitie, le fait de l'avoir. Tout à fait. Aucun complexe. Je veux dire que justement, depuis que j'ai des cheveux, j'assume maintenant encore mieux ma calvitie. Ah oui, alors qu'avant, parce que vous savez que vous pouvez la cacher. Je sais que je peux la cacher. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Applaudissements pour M. Peluso, s'il vous plaît. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec Yvette Horner. Après la pub, bien évidemment, avec Patrice, Yvette et le reste. A tout de suite. Merci beaucoup. Voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio, pour cette émission en public, avec Yvette Horner, Patrice, et nous allons encore parler des cheveux, Patrice. Oui, on va continuer. Vous savez que c'est des vrais cheveux. Je crois que vous allez me dire merde. Mais oui. Oui, bien sûr. Non, on va même se déplacer parce qu'on va même tenter une expérience. On va avoir 3-4 procédés et tenter une petite expérience. Formidable. On y va. Yvette, vous êtes avec nous ? Ah oui ? Bien sûr. Une surprise. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Sûrement, c'est très grave, vous savez, ouais. Alors, ça se voit pas que c'est des... Ça se voit pas du tout qu'on a des faux, non ? Non. Non, non. Alors, on va commencer avec Jean-Claude Sainté. Sainté, hein ? On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, ça c'est le PDG de Société Erskine et c'est un procédé assez... Sainté. Sainté. Monsieur Sainté, c'est ça. Voilà, exactement. Et c'est un procédé
assez extraordinaire parce que il va nous montrer comment son procédé. Tiens, mettez-vous là, Yvette. Mettez-vous là, Yvette. Mettez entre vous deux. Tiens, tiens sur le crâne, hein, oui. De manière extraordinaire, ce qui fait qu'on peut absolument tout faire grâce à votre procédé. C'est surtout Monsieur Gilles Demurger qui est comédien cascadeur. Alors lui, il a fait les périples, les pires périples qui puissent exister. Ouais. Alors c'est des péripéties. Ouais, des péripéties. Hein. Donc la nouveauté. Donc, il faut quelque chose qui tienne bien. Qui tienne bien. Il va me l'expliquer tout à l'heure. Mais la grande nouveauté, vous voyez, c'est ça. C'est comme une feuille de cigarette. C'est implanté de cheveux. Pas encore, mais une fois que c'est posé, c'est invisible, mais il y a une traction de plus de 20 kg quand c'est posé. Ah oui, donc ça veut dire que ça supporte une traction de 20 kg. Donc monsieur peut se faire tirer par les cheveux sans problème. Là, il n'y a aucun problème. Très bien. Bon, aucun problème. On va tenter l'expérience tout à l'heure. Ce qu'il a sur lui, ce ne sont pas ses cheveux. Ce ne sont pas ses cheveux. Ce ne sont pas ses cheveux. Vous voyez, pour pouvoir le retirer, on est obligé d'utiliser une bombe spéciale. Genre des capex. Voilà. C'est un solvant médical. Ça, c'est pour retirer. C'est pour retirer. Voilà. Génial. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça, là. En fait, ce que je voudrais dire, voilà, moi, pardonnez-moi, vous savez que vous êtes très bien comme ça. Oui, mais je le vis très bien. Je suis comédien, donc je le vis très bien. Je voulais avoir une possibilité d'offrir plusieurs têtes au réalisateur, donc ça tombe très bien. Ah, maintenant, oui, disons qu'avec les cheveux, j'ai un physique qui correspond à ma condition physique. Je suis cascadeur, donc je me suis mis à disposition de Jean-Claude pour comme faire Patrice. Des tests. On a fait donc des... J'ai sauté dans le feu, fait un plongeon de 10 mètres, saut à l'élastique, plongée sous-marine, donc, et ça tient. Et moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de quelque chose qui tienne vraiment, qui me laisse libre, qui me donne deux têtes, parce que je vis très bien comme je suis là, mais j'aime bien aussi pouvoir proposer autre chose. Donc c'est formidable, quoi. Et là, tout à l'heure, on va vous montrer quelque chose, c'est assez impressionnant. Et ça me fait pas mal quand vous le retirez ? Non, pas du tout. Moi, par contre, je vis avec, je le garde... En 8-10 jours sans l'enlever et tout va très bien quoi. Ah, 8-10 jours. Ah ouais, ouais. Donc la transpiration en dessous, non, tout ça. Non mais bon, shampoing, tu fais shampoing, tout va bien quoi. Ah, très bien. Voilà. Et là, alors, on va vous préparer le collage. Là, je prépare, c'est un produit médical. Ce n'est pas une colle. Parce qu'une colle, ça durcit. C'est pas assez fort, ouais. Voilà, ça durcit et avec la séborée, ça se détache. Que c'est une gomme médicale très puissante qui est très. Comme vous, Patrice. Voilà. Invisible à l'œil. Oui. Alors là, vous préparez la gomme, on va mettez la gomme et puis on va revenir. Cran, nous allons rencontrer ces messieurs. Bonsoir, monsieur. Alors, Patrice, si vous voulez. Ça, c'est Gérard Roncancourt et Hubert Dao. Alors, Gérard Roncancourt, lui, il a un système. Monsieur assez... Roncancourt est en haut. Est en haut. Est en haut. Monsieur. Il présente un système assez particulier, c'est celui du spray. C'est-à-dire qu'on met du spray qui s'accroche aux cheveux, c'est ça ? Tout à fait, oui. Alors, et en s'accrochant aux cheveux, ça fait comme si. La calvitie disparaissait. En gros, c'est ça. Absolument, voilà. On va venir épaissir le cheveu par des molécules donc, qui se trouvent dans c'est ce des spray. Des molécules. Et qui va donc camoufler. Là, ce sont les cheveux de monsieur. Oui, ce sont ses monsieur cheveux. Monsieur Dao, hein. Oui, oui. Y a pas rien de à voir avec Étienne. Si ah, si, vous avez quelque chose à voir. Ah, très bien. Bah, vous lui ferez des amitiés. Et on peut les peigner après. On peut les recoiffer avec par la spray, suite. Avec ce spray, là, on peut oui, les coiffer. Oui, bien sûr. Bien, alors, allez-y sur le spray. Alors, voilà. On va voir derrière, peut-être, comment ça la calvitie. Sur le dessus de tête. Pas très fort, tu l'as dit à Calvici. Bon, là, c'est bien, c'est quand même pas mal dégarni pour une personne qui ne veut pas que la calvitie se voie. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça met non. Alors, ça diffuse une poudre qui va venir se coller sur le cheveu. On la laisse sécher. Faut pas respirer, monsieur Dao, pendant ce temps-là. Voilà, c'est bien. En apnée. Ouais. Donc, c'est comme votre voisin, vous faites de la plongée sous-marine, mais là... Et alors, on fait ça chaque matin, c'est ça ? Alors, il faut l'utiliser chaque matin. Ah, oh, on n'en met pas beaucoup en plus. Non, tu dépends de... Tu dépends de la largeur de la calvitie. La moustache est vraie, hein ? La moustache est vraie. On va peut-être mettre un petit coup de bombe aussi sur la moustache. Monsieur Dao est passage. Non, il paraît. Alors, parce que j'ai demandé à M. Roncancourt si on pouvait se faire des fausses barbes avec ça. Non. Non, on ne peut pas. Il faut que ça s'accroche aux cheveux. Ah oui. Ah, bah, s'il n'y a, pas de cheveux, au poil également... Mais s'il y a pas faudrait déjà une petite barbe, quoi. S'il n'y a pas de cheveux, ça ne peut pas redonner des cheveux à un chauve. Bien sûr. Et là, vous... Alors, on pourrait voir sur le dessus du crâne, voilà. Monsieur dessus, voilà, on peut fait. Revoir le dessus. Non, mais vous pouvez en mettre un petit peu plus sur le dessus ou... Ah, on peut en rajouter. Plus on rajoute, plus le volume. Donc, et peut-être sur le devant, non ? Et c'est, en fait, c'est de la laque noire. Là où il y a du cheveu. C'est ça, c'est de la laque noire. C'est un spray, c'est comme une laque. À l'intérieur, donc, il y a une poudre... qui correspond à la couleur du cheveu. Ah, c'est ça. Et c'est... qui va venir épaissir le cheveu. Et vous en avez pour Patrice ou moi ? Parce que là, de cette couleur-là, c'est... Ah, cette couleur-là, on ne la fait pas encore. Ah, ouais. Et ça ne casse pas le cheveu, cette poudre-là, forcément ? Non, non, ça ne casse pas le cheveu. Ah, c'est pas de peinture. Ça s'élimine au shampoing.
50% en brossage. Donc là, c'est fait. Là, c'est terminé. Ah oui. Il n'y a pas... Hey, c'est terminé. Si. Ça fait plus noir. Mais c'est... Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais ce n'est pas de la teinture. C'est de la, poudre, la poudre correspond à la teinte du cheveu. Voilà, d'accord. Il y en a plusieurs couleurs. Donc, évidemment, il y a cinq références. Quoi, dire, c'est plus pratique. Oui, oui, c'est pas de la peinture. Non. C'est très bien, M. Dao. Je vous en prie, M. Dao. Alors, nous allons passer au candidat suivant. Qui est accompagné par une candidate. Bonsoir, madame. Reculez, alors, c'est Gilles Ménétré qui va nous parler de ces deux cas. Alors, M. Ménétré, nous vous écoutons. Alors, il s'agit d'un complément capillaire, mais cette fois, ce complément capillaire est fixé d'une façon définitive. Là, il en a un ? Oui. Ah, ça se voit pas. C'est un monsieur qui est chauve, d'ailleurs, à peu près comme ce monsieur. Il est même pas mal chauve, regardez. Ouais. Ah oui, bah oui, oui, oui. Vous voyez, c'est sérieux. Oui, monsieur aime le billard. Voilà. Mais là, le complément capillaire est fixé d'une manière définitive. C'est-à-dire que le patient ne peut pas l'enlever le soir. Ça n'est pas possible. C'est un peu comme un bridge. Il existe les dentiers, on les enlève, on les met sur la table de nuit. Eh bien là, c'est un bridge, mais il n'est pas dentaire, il est capillaire. Ah, très bien. Donc, il est fixé définitivement. Sur les autres cheveux. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de cheveux, Patrice. Sur les cheveux de côté. Ah oui. Tout à fait. Les cheveux du côté. Voilà. Et alors, ça fonctionne comment, madame ? Ah ben... Monsieur Ménétré peut nous expliquer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais on ne peut plus l'enlever ? On ne peut pas l'enlever, vous ne pouvez pas l'enlever, bien sûr, le spécialiste peut l'enlever. Il faut bien l'enlever. Ce monsieur s'appelle Pascal Witt. Oui. Cette méthode, c'est le tressing, c'est ça ? C'est le microfil. C'est l'évolution moderne du tressing, si vous préférez. Ah, c'est encore mieux que le tressing ? Ah oui, c'est beaucoup plus moderne. Le tressing, c'était il y a 20 ans. Ah oui, vous avez raison. Ça ne se fait plus. Maintenant, on fait le microfil. Ah, très bien. Donc là, voilà. Allez-y, donc vous allez coudre, monsieur. Alors, bien sûr, ça n'est possible d'être réalisé que par un spécialiste. C'est donc dans des cabinets spécialisés que ça se passe. Et... Il faut une anesthésie, il faut anesthésier, monsieur. Ah non, pas du tout, non, il n'y a pas d'anesthésie. Si, on va l'anesthésier. Laissez-moi une massue, s'il vous plaît. Alors... Il n'y a pas de problème de choses qui peuvent se passer entre le complément capillaire et le crâne, quoi, de microbes qui pourraient... Non, non, pas du tout. Non, c'est là, totalement aéré. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle est en train de coudre, monsieur. Non. Alors, elle prélève des petites mèches de cheveux sur les bords. Ces petites mèches de cheveux passent à travers le complément de cheveux. Il y a un petit nœud qui est fixé et ça ne peut pas bouger. Ah ouais. Pascal, il faudrait donner un micro peut-être à... Bien sûr, Pascal, oui. C'est douloureux ou pas? Non, pas du tout. Bonne question, Patrick. Non, ça mais se ça fait. C'est-à-dire, c'est fixé pendant combien de temps? 6 mois, 1 an C'est fixé pendant deux mois. Parce que les cheveux repoussent sur le tour et il faut donc un resserrage tous les 2 mois. Ah. Mais en même temps qu'on fait la coupe de cheveux, on se les fait resserrer dans les cabinets d'Angile. Très bien. Bon, pendant que mademoiselle est en train de. On va voir Francette Monroe. De faire son petit ouvrage sur Francette. Monsieur. On va voir la jeune fille qui est à côté de lui. Bonsoir, mademoiselle. Alors, qui a perdu ses cheveux à cause du stress. Ah oui. Hein? Faut qu'on fasse gaffe, nous, alors. Oui. Alors, dans le cas de... Là, c'est un complément qu'elle a. Ce n'est pas ses vrais cheveux non plus. Alors, ça se voit pas cette du tout. Dame a des cheveux clairsemés. Vous savez que 10% des femmes... 10% des femmes ont des cheveux très clairsemés. Alors, c'est très ennuyant quand on est une femme, parce que les cheveux, c'est quand même un élément de séduction important. Et pour épaissir les cheveux clairsemés, sans perruque, sans rien du tout, on a recours au volumère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un volumère? Voilà, en voilà un. Il s'agit d'un complément de cheveux, mais il a la particularité d'être troué. On peut passer les mains à travers, vous voyez? Donc, on peut passer les cheveux qui restent. Absolument. Et vous passez les cheveux de la patiente à travers le volumère. Alors, vous pouvez peut-être montrer comment ça se passe. Là, c'est des cheveux, jeune fille. Montrer déjà comment étaient les cheveux. Ça, c'est vrai cheveux? Non. Ah. Justement. Ah. Non, c'est pas vous voyez, voilà les cheveux de la cliente. Il y a très peu de cheveux. Et on va fixer le volumère. On va rajouter 50 000 cheveux environ, fixés sur ce filet. Et on va passer les cheveux de la cliente à travers ce volumère. Ça va doubler l'épaisseur. Et vous allez voir, le résultat est super. C'est la même technique. Hein. Même là, de ce qu'on a vu, on était persuadé que c'était les siens. Voilà, absolument. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir le double de cheveux sans avoir une perruque. Bien sûr, la fixation est définitive également. On ne peut pas l'enlever. Cette dame se douche, elle fait du sport, elle vit tout à fait normalement. Ah, définitive, c'est-à-dire pour 2 mois Pour 2 mois, mais il n'y a que le spécialiste Norgil qui peut le resserrer. Ah,
Elle ne peut pas le faire elle-même. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Mais écoutez, et merci de ces explications. C'est vous, cas, cheveux, vous, monsieur Ménétré? Parce que comme on confond tout... Ça, je ne vous répondrai pas. Quoi? J'ai pas entendu. Je me demandais si c'était... Comme moi, je n'arrive pas à voir la différence entre les vrais et les faux. Je me demandais à monsieur Ménétré si c'était vrai. Je suis issu d'une famille de chauves. J'ai dû me soigner très tôt parce que je perdais mes cheveux. Et j'ai tout fait pour les garder. Dieu merci, maintenant, ça va mieux. Et j'ai quelques implants sur le dessus des micro-transports. Ça ne se voit pas, monsieur. Ça ne se voit pas du tout. Très bien. Écoutez, en tout cas, je vous applaudis ces quatre personnes qui ont accepté. On va revenir voir. On va revenir voir, c'est génial, oui, bien sûr. Gilles, alors, on est prêt? Tu es prêt? Alors, on est prêt pour l'expérience. C'est bien, comme ça. Ah, c'est bien, là. Alors, on va se déplacer ici. On va aller... Parce que là, c'est là qu'on va tenter cette... Alors ça, c'est carrément de la cascade que vous lui faites faire. Ouh là là. Ah oui, enfin bon, ouais, c'est une bête, hein, je veux dire, pas de soucis. Alors, on va regarder ça. Alors, il va se suspendre. Ce petit zizi, c'est ses cheveux? Comment dites-vous, Yvette? Zizi. C'est pas un zizi, ce sont des cheveux. Non, non, ça, ce sont les cheveux implantés, j'imagine. Regardez. Alors, mesdames, messieurs, nous assistons à une expérience tout à fait extraordinaire en direct, vous imaginez bien, sur ce plateau, avec ce jeune homme qui va donc se faire suspendre 20 kilos. C'est pour qui? 20 kilos, 20 kilos. Commencez par 10. Au bout des cheveux. Lâche. Là, ça tient. C'est bon. Ok. C'est formidable, ça. C'est pas très utile, cela dit, mais... Là. Non, voilà. Je n'ai pas obligé de tenter ça chez vous pour voir. Si, si, ça, c'est là. Voilà, lâchez. C'est juste petit chapeau. Voilà, 20 kilos de traction. 20 kilos? 20 kilos. Enlevez vos mains. 20 kilos. Eh ben, dis donc. Oh là là. Ah, bravo. Ça, donc, c'est bien, bien. Ah, oui. C'est surprenant. Formidable. Alors, évidemment, si vous voulez, on va se installer, Patrice. On va s'installer, Yvette. On va remercier. Donc, évidemment, merci mille fois, merci, messieurs. Merci, monsieur le cascadeur, bien évidemment. Ça enlève le vieux truc qu'on voit dans les films, que les perruques s'envolent. Bon, ben, là, maintenant, ça peut... Là, oui. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Merci mille fois. Et si vous voulez des renseignements, bien sûr, pour tous ces compléments capillaires et tout ça... 36 hein. Vous faites le 36 TF1, rubrique coucou, et vous aurez absolument tout. Voilà, il en sera terminé aujourd'hui pour le cheveu. Pour les cheveux, c'est clair. Moi aussi. Voilà, on a montré pas mal de choses. C'est intéressant, Yvette. Ah, très intéressant. Voilà. C'est vrai que ça se voit plus du tout. C'est 20 kilos, vraiment, c'est surprenant. Ouais. Hein. Très surprenant. Oh là là. Alors, il y a quelques camarades qui sont venus s'installer là-haut parce que nous allons parler de l'actualité immédiatement d'Yvette Horner. L'actualité, c'est la sortie Les Rois de l'accordéon, volume 2. Le voilà. Alors, là, vous n'êtes pas toute seule, Yvette, que ce soit clair. Oui. Vous faites partie de cet album, bien évidemment. Bien sûr. Et vous avez fait ça avec Aimab, Marcella Zola, Joe Priva, Bruno Lorenzoni, André Verschuren, et j'en oublie, Louis Corchia, Raymond Boisserit. Tous les plus grands. Louis Corchia, Jacques Noguès, André Blot, Maurice Larchange. Donc, on a dit Aimab, Bruno Lorenzoni, Harry William, donc et Verschuren. Ça, c'est le volume 2. Voilà. Hein? Est-ce que, alors, on peut dire un petit peu les morceaux, le thème du disque, Patrice? C'est la musette? Oui, musette, parce que, bien sûr, le dernier disque qui a été fait par les Rois de l'accordéon s'est vendu vraiment formidablement. Et alors là, on a redemandé un autre disque, bien sûr, qui concerne l'accordéon. Et alors là, c'est genre musette. Et c'est donc la raison pour laquelle on a fait ce disque-là, étant donné que c'est demandé. Alors, tous les morceaux les plus célèbres, bien évidemment, il y a 18 succès tout à fait. Voilà. Et pas tant que je pourrais pas vous dire de mémoire, parce que je ne connais pas bien sûr tout l'accordéon. Oui. Mais il y a Dédé de Montmartre, La Vie en Rose, Riquita, Domino. C'est ça, il y a mon Tour de France aussi. Ah oui, oui, oui. Ah, vous avez fait combien d'années le Tour de France? Combien d'années l'avez-vous fait? Pardon? Combien de fois l'avez-vous fait? 11 fois. 11 fois le Tour de France? Oui, oui. Debout sur une voiture. Debout sur la voiture, hein, c'est ça? Debout, c'est-à-dire quand on faisait la parade dans les villes étapes, mais sinon sur la route, c'était assise sur le toit. Voilà. Donc on va assister maintenant alors, donc, à un cours de Java, c'est voilà. Ça Patrice? Alors, et puis, dit... pardon, non, j'avais oublié aussi Raymond Boisserie aussi. Non, non, oui. je l'ai dit. Excusez-moi. Ah, il y a nos camarades Charlie et Lulu qui sont installés là-bas. Qui sont installés là-bas parce à la buvette chez Yvette. Chez Yvette, les gaguettes. On va les rejoindre. On va les rejoindre, Yvette Allongé. Je prends le micro. Oui, s'il vous plaît, oui. Hein? Alors, salut les gars. Salut. En forme? Tout va bien? Crac, crac, badaboum. Bonjour, Christophe. Madame. Bonjour, Christophe. Bonjour, madame. Ah, ça, c'est Jacqueline. Bonjour, monsieur. Bonjour. Jacqueline et Jean. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, les gars, de quoi s'agit-il exactement? Alors, cours de Java. Cours de Java. Cours de Java. Pour nous, tout de suite? Oui, démonstration d'abord. Démonstration. Jacqueline et Jean d'abord. Jacqueline et Jean en Java, mesdames, messieurs. Thank you.
qu'il pourra peut-être vous donner. Non, Alors, les garçons, petite leçon ou pas? Jacqueline peut vous apprendre sans problème. Voilà. Hop. Comment on danse la Java, Jacqueline? Jacqueline, démarre. Invitez Christophe. Patrice, allez. Allez. C'est pas compliqué? Excusez-moi. C'est le plus facile. Venez, venez vous mettre avec nous. Alors, je vais faire avec Yvette. Allez, Yvette ici. Allez, Attendez. Alors, quelques explications, Jacqueline. Jacqueline. Eh ben, c'est un peu comme ça. Des petits pieds, des petits pas, des petits. Attendez. Parce que je vois pas, moi, ceux-là. Voilà. Alors, Patrice, un petit peu par là, un petit peu par là. Et un petit peu par là. Voilà. Oui, mais c'est comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ça, c'est de la Java, les gars. Hein. Bah oui. Hein, faut dire que Jacqueline et Jean font partie d'une association qui s'appelle les Amis de la Danse. Eh oui. Ah, donnez un micro pour Jean. Par les Amis de la Danse et de Madame Diana de Cristobal. Ah, très bien. Voilà. Alors, vous n'avez pas d'autres trucs à dire sur la Java, les garçons? Non, on va faire un petit medley. Ah, petit medley. Vous aussi. Vous êtes Nous aussi, tout le monde est. Oui, on chante ensemble. Surtout. On va installer Jean et Jacqueline à la table. Jacqueline et Jean, installez-vous, j'en prie. Voilà. Voilà. Allez, un peu de pâté. Ah, et un pas. Alors, attention. Merci Charlie.
Bravo les gars. Merci. On vous a pas vu beaucoup danser, mais enfin. Et applaudissements évidemment pour nos 25 accordéonistes qui sont ici. Presque les 12 de disque. Presque les 12 de disque. Alors, nous avons envoyé. Alors qu'est-ce que bonne ambiance. Une ambiance formidable. Formidable. C'est un public que vous avez qui est extraordinaire. Et vous voyez que, vous voyez, même des jeunes gens comme ils sont ici peuvent aimer la musette. Bon, on va se retrouver d'ici quelques instants après la pub avec Yvette Horner, Patrice, le reste et tout ça. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci. Et nous voici de retour, même c'est sur le 102 de la Maison de la Radio. En ce 22e lundi. Après, alors Patrice, maintenant nous attaquons par quoi? Parce qu'il y avait une ambiance tout à l'heure avant la publicité tout à fait étonnante. Bon, on va continuer quand même dans le genre chanson avec le télécrochet. Ah, parce qu'il y a un filet garni. Vous êtes la formidable. Présidente du jury. Ah. Je vous le signale, vous êtes la présidente du jury. Présidente expert. Vous me faites un grand honneur, là. Alors, le télécrochet, vous savez en quoi il consiste exactement, Yvette? Expliquez-moi, s'il vous plaît. C'est très simple. Vous en avez déjà fait des télécrochets, non, Yvette? Oui, je mets ça. Si hein, vous voulez. Si vous voulez. Oh, faites comme vous voulez. Oh, bah alors. Hop, il s'est accroché. Ah, bon, excusez-moi. Alors, non, mais pourquoi, Yvette? Alors, Yvette, c'est très simple, vous êtes présidente d'un jury très important. Oui. Le jury est soutenu par le public ici présentement. Et trois personnes vont être en lice tout à l'heure, d'ici quelques secondes, pour le télécrochet. Télécrochet. Avec donc ambiance. Un peu accordéon. Ça, je pense que c'est pour Yvette, c'est pas pour moi. Oui, ça se pense. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous, Yvette. Nous allons attaquer par quelqu'un immédiatement. Bonsoir, quel est votre prénom? Mauricette. Bonsoir, Mauricette. D'où nous appelez-vous? De Provins. Alors, qu'allez-vous nous interpréter, Mauricette? Une partie de pétanque. Une partie de pétanque. Mauricette, 65 ans, pleine forme, Provins, une partie de pétanque. Quand vous le voulez. D'accord. Quand reviennent les beaux jours, se déplacer les cours, on voit sous les platanes. Plus d'un goût, ça venait, ce sont les achenés, les joyeux boulemanes. On joue 115 points pour voir avec quel point on sort ses intégrales. On lance un godet qui tourne dans l'air, si c'est pile à toi, bébé. Vas-y, Léon, envoie bien le bouchon. Ouais, ouais, une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se plante comme un loisir. Tu la vises et tu la manques, change. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Alors, Yvette, mesdames, messieurs, Yvette Horner a pris des notes. Oui. Yvette. Oui. Partie de pétanque, chante juste. Chante juste. Oui. Oui, il y a un petit temps en trop, mais enfin, ça, ce n'est pas grave. Hein? On tolère. Disons que c'est l'interprétation. Hein? Voilà, c'est clair, ouais. C'est clair. C'est l'interprétation, donc le public applaudit. Maître Founias a écouté. 7 points pour Mauricette. Dites donc, Mauricette, vous avez 7 points. Mauricette. Oui, bon, d'accord. Vous avez 7 points. Merci, merci. C'est Maître Founias qui décide. Merci. Merci, Maître Founias. Deuxième candidat, Mauricette, vous ne quittez pas, surtout vous restez en ligne. Bonsoir, qui est à l'appareil? C'est Gilbert de Cagnes-sur-Mer. Bonsoir, Gilbert. Comment allez-vous? Très bien, merci. Écoutez, Gilbert, quel âge avez-vous, si je puis me permettre? 57 ans bientôt. 57 ans bientôt, alors avec un peu d'avance, bon anniversaire. Gilbert, qu'allez-vous nous interpréter? Tout d'abord, je tiens à dire bonsoir Patrice, bonsoir Christophe et bonsoir Yvette. Bonsoir. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Gilbert. Et le public râle parce que vous ne l'avez pas salué, mais ça suffit. Ah, excusez-moi. Non, non, c'est parce qu'après ça leur donne l'occasion de crier, tout ça, ils exagèrent. Alors Gilbert, qu'allez-vous nous interpréter? Je vais chanter le petit bal du samedi soir chanté par Georges Guettari. Bien. Oh, oh, oh. C'est ça, hein, que t'as dit. Oui. Non, ça, c'est Robin des Bois. Non, non. Ah oui, c'est Robin des Bois. C'est un peu l'intonation, oui. Ouais. C'est un peu bon. Ça. Alors, allez-y, jeune homme. Dans un vieux faubourg à tout chargé d'amour, près du pan de la Villette, un soir, je planais un refrain traîné dans un élevage semi-zette. Quand un vieux copain m'a pris dans la main et m'a dit, viens, pourquoi le cacher? Ma foi, j'ai m'arraché et j'ai trouvé le petit bal du samedi soir. Le serpent d'espoir vous a fait mis d'inertes, pas d'effet pour la toilette, pour ça vous avez bonsoir. Mais ce qui est pour tous les yeux, pour tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je
J'excuse. J'ai une petite conversation avec Yvette. Alors, c'est dans la longueur hein, qu'il nous chante ces choses-là. Longues, hein. À l'époque, c'était des chansons plus longues qu'aujourd'hui. Hein. Oui. Alors, Gilbert, le public a applaudi. Maître Fougnas est très au fait de ce qui vient de se passer. Maître Fougnas est, une fois de plus, ivre mort. Attendez, le sentiment d'Yvette. Le sentiment d'Yvette. Bon, ben, le... Ah, Yvette, faut y aller. Hein. Faut vraiment, là. Hein. Bon, eh bien, le premier couplet un peu lent, hein, parce que pour l'ambiance du samedi soir, il faut vraiment foncer. Le départ, il faut que ce soit très, très, très enlevé. Et puis, il y a eu un tout petit déraillement de justesse, voilà. Mais enfin, ce n'est pas grave, ça a été très court. Mais enfin, c'est bien quand même. C'est bien, monsieur Gilbert, c'est Gilbert. Gilbert. Et Gilbert. Gilbert, oui. Bon, c'est pas mal quand même. Et toi, Fougnas. Du coup... 6. 6, c'est moins bien que Morissette. Maître Fougnas, s'il vous plaît, pour Gilbert. Applaudissements. 7. Ah, 7 égalité. Égalité, mesdames, messieurs, entre Gilbert et Morissette. Et Morissette. Donc là, tout d'un coup, c'est un combat de titans auquel nous assistons. Provin et Cagny. Non, vous n'êtes pas d'accord? Égalité. Ah non, oui, enfin, c'est... Ah, mais non, vous allez donner certainement le résultat à la fin. Non, mais il y a égalité entre les deux, là. Ça vous choque. Pour l'instant, est-ce que vous êtes choqué? Ça vous êtes choqué, là? Non, pas égalité, non. Non, moi c'est pas. Mieux pour... Morissette. Comment elle s'appelle? Morissette. Morissette. Alors c'est 6,5. 6,5 pour Gilbert. Voilà, et 7 pour Morissette. Yvette. Pardon? 6,5. Oui, oui, oui. Bon, 6,5 pour Gilbert. Alors, dernier candidat, allons-y, bonsoir, quel est votre. Bonsoir, Christophe. Allô? Oui, bonsoir, quel est votre prénom? C'est Daniel de Lyon. Bonsoir, Daniel de Lyon. Bonsoir, Yvette. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Patrice. Et bonsoir, bonsoir. Public. Allez, se les mettre dans la poche comme ça. Attention de ne pas vous laisser influencer par le charme de Daniel qui est en train de vous parler, hein, messieurs du public, ou mesdames. Alors, Daniel, qu'allez-vous nous interpréter? Que faites-vous comme métier, Daniel? Je suis secrétaire. Oui, vous chantez parfois au travail? Oui. Le patron est content? Oui, je pense qu'il apprécie. Bon, vous entendez bien avec lui? Oui. Très bien? Très bien, oui. Bon, très très bien? Très très bien, oui. Ah bon? C'est votre patron. Enfin, ça s'arrête là. Comment? Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, bien sûr. Qu'allez-vous imaginer? Bon, Daniel. Alors, Daniel, qu'allez-vous nous interpréter? Le jazz et la java de Claude Nougaro. Oh, c'est pas facile, ça, hein? D'après? Pardon? La java. De Claude Nougaro. D'après Dave Brubeck, voilà. Dave Brubeck. Voilà. Alors, Daniel. Alors, excusez-moi. Je peux y aller? Allez-y, au revoir. D'accord. Alors, quand le jazz est là... La java s'en va, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la bassine, me noircis à Harlem. Lorsque je prête mes mains à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là. La java s'en, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Bravo. C'est court, c'est dit. Mais non, c'est pas grave, moi. Et Maître Fougnas, il me regarde une fois à l'heure. C'est rien, Maître Fougnas. Yvette, d'abord la présidente du jury. Alors, Yvette. Ah, là, normalement, hein. Bon. Eh bien, les deux premières, la première et la troisième, sont bien. Alors, Gilbert. Alors, il y a, si vous voulez, peut-être égalité. Hein. Je verrai peut-être pour la java et yam padadam, pam padadam. Manquait un peu de rythme. Yam padadam, pam. Vous voyez assez scandé, parce que le java vient arrive après. Alors, c'est un peu... Un peu mou. C'est un peu mou. Vous pouvez nous chanter peut-être le jazz et la java comme ça pour vous. Non, ils vont s'en aller, ils vont courir si je chante. Dans ce que je veux dire, je crois que je garderai la première. Morissette. Oui. Est-ce que Maître Fougnas est d'accord? Mais dites donc. Alors, nous allons le faire à main levée. Pour Morissette, la première, levez la main. Oh bah vous exagérez, vous avez applaudi tout à l'heure. Pour Gilbert, levez la main. Et pour Daniel, levez la main.
il y a du... Vous êtes d'accord, Yvette? D'accord, d'accord. Allez. Daniel, vous avez gagné. Oui. Ah, c'est la Vox Populi. Oui, Vox Dei. C'est la voix du public qui a jugé. Yvette n'est pas tout à fait d'accord, soyons clairs. Moi, je les avais mis à égalité. J'avais mis déjà, au départ, je les avais mis à égalité. Nous sommes navrés pour vous, Morissette. C'est tout. Vous réinterviendrez sûrement dans l'émission. Gilbert également, désolé. Mais Daniel a gagné. Qu'a-t-elle gagné? Je les ai trouvés bien tous les trois, d'ailleurs. Oui. Bien sûr. Il ne faut pas pousser. Daniel a gagné un séjour d'une semaine pour deux personnes à Isola 2000. Dans les Alpes du Sud. Donc elle sera hébergée à l'hôtel 4 étoiles Le Chastillon, qui appartient au groupe Abella Hôtel. J'ai entendu parler de ça, oui, qui est situé au pied des pistes, orienté plein sud et bénéficiant d'un restaurant gastronomique, je crois, hein, Patrice. Absolument. Et pour les souvenirs de vacances, évidemment, hop, regardez bien Daniel. Bien sûr. C'est là. Hop, un autofocus. Pour ramener 300 Yashica avec zoom motorisé, correction de contre-jour, trois possibilités d'exposition, vous pourrez ramener des souvenirs d'Isola 2000, Daniel. Je vous remercie beaucoup. Vous avez une personne de votre choix? Oui. Très bien, eh bien, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir, Daniel. Au revoir. Je voudrais vous poser une question, Yvette. Est-ce qu'il y a un âge pour apprécier ou jouer ou apprendre ou aimer l'accordéon? Alors, non, je dois vous dire tout de suite, Christophe, que non. Parce qu'il y a plus de 150 000 jeunes déjà, de 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui apprennent l'instrument. Et alors, ce qu'il faut que je dise quand même, là, vous avez vu le CD, dans les rois de l'accordéon, le compact Musette. Et alors, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a trois semaines à peu près, bon, Boy George, qui est vraiment un garçon, qui est très dans le vent, et qui a demandé donc, que je l'accompagne. On a fait un enregistrement au Palace avec lui. Ah oui. Donc, c'est un monsieur qui apprécie l'accordéon. Ensuite, il y a eu Maurice Canté. Nous avons fait un concert ensemble avec l'accordéon et puis Sakora. Bien, le troisième, c'était donc à Nashville avec McCoy. Alors vous voyez, je dois dire quand même que l'accordéon est apprécié. C'est clair que l'accordéon, en tout cas, pour rentrer dans toutes les musiques. Et alors ces messieurs également jouent aussi moderne. Il faut pas oublier. On pourrait peut-être les citer les uns après les autres, comme ça on voit bien qui est qui. Yvette, on vous laisse le faire. Alors, André Blow, Harry Williams. C'est dans l'autre sens, les garçons. Oui, je parle au cadreur. Ça part d'ici. Ça part de gauche, notre ami Legrand. Michel Pruvot. Le quatrième. Quatrième, Michel Pruvot. Maurice Larchange. Bruno Lorenzoni. Louis Corchia. Ouais. Aimable. Ouais. Et Raymond Boisserie. Hein? Et n'oublions pas aussi. Bon, ben, aujourd'hui là, il y avait un enregistrement, mais il y avait Arthurin aussi. Mais on en a oublié un. Il y en a un qui est caché. Oh, mon copain, Jacky Nogues. Alors, on va aller la rejoindre. On va aller la rejoindre tout à l'heure, d'ici quelques secondes, parce que vous avez des talents. Alors, vous avez un talent d'accordéoniste. Tout le monde le sait, et tout le monde ne sait peut-être pas que vous avez des talents de pianiste tout à fait exceptionnels, Yvette. Voudriez-vous avoir la gentillesse, vu que nous avons un petit piano droit ici, d'aller vous installer et de nous faire en quelques petites notes? Oh non. Ah si, Yvette. Comment non? Si. Juste entre nous, comme ça. Allez. Et puis après, on va finir avec vos amis à l'accordéon. Allez, Yvette. Un peu de rock'n'roll, peut-être, ou des choses comme ça. Ouais. Allez, mesdames, messieurs, Yvette, pour Yvette, allons-y. Ah, elle se rassoit. Comment il s'appelle le... Attends. Une seconde, laisse-moi réfléchir. Il y a... J'ai fait le pot pourri par qui, là? Que Mourouzi m'avait demandé de faire un medley de David Bowie. David Bowie. Oui. Alors, allez, un petit peu de David Bowie. David Bowie par Yvette Horner. Au piano. Vous voulez que j'aille un petit coup de main? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Yvette? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes bien installé? Eh oui, tu peux pas enlever la place, là. Ah, si, je peux l'enlever, rapidement. Hop, attention. Vous voulez qu'on enlève le haut aussi? Voilà. Pardon. Le haut aussi, on enlève? C'est les pas piano à queue, si tu veux. Ça fait rien. Je peux démonter le décor, si vous voulez, un petit peu. Voilà. Très bien. Ha ha.
C'est bon. Christophe, viens enlever le clavier aussi, va. Ouais. Allez, Yvette, David Bowie par Yvette Horner, mesdames, messieurs. Allez. Allons-y. Moi, je me mets ici. Donne-moi, attends. Est-ce qu'ils m'entendent? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'ai déjà entendu dans une de ces émissions, parce que je suis une fan de Monsieur de Chavannes. Christophe, Monsieur Christophe. Monsieur Christophe. Et alors, j'ai entendu jouer, n'est-ce pas, au piano. Alors, on va lui demander de faire quelque chose. Vous êtes d'accord? Je fais l'eau, hein? Oui, oui, d'accord. Moi, je fais juste la basse, hein, c'est tout, hein? Ah, comme ça, là, juste... Ouais, Steven. Avec les gars, ouais. Si vous voulez, les garçons, y'a pas de problème. Hein. Patrice en haut, viens ici. Fais tu veux pas t'asseoir? Non, non, c'est bon, je suis bien debout, moi. Vas-y plus vite alors. Non. Vas-y. Non, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci les gars, bon, c'était impromptu, hein. Impromptu. Patrice. Bon, on va finir à l'accordéon, donc. Ah ben voilà, allez, on va terminer avec nos garçons qui sont ici. Vous êtes là, qui sont là, ils ont un accordéon. Elle a un accordéon. Oh là, Yvette, allez, en piste. Oh, c'est lourd, ça te pèse combien d'accordéon? 3 fois par semaine. Et vous n'avez plus l'accordéon à touche? Autrefois, vous avez la touche, non? J'ai jamais eu la touche au piano, non? Jamais la touche bien comme ça. Vous dites comme ça? Oui. Tous les accordéons sont à bouton. Toujours bouton. Combien ça pèse alors? Celui-ci doit faire 13 kilos, et puis j'en ai un qui fait près de 16. Ah, quand même. Alors là, qu'est-ce que vous allez nous faire? Mettez-vous au centre, oui, Yvette, oui.
Hein? La France de l'accordéon. La France de l'accordéon, hein? Et attaquez, parce que moi, je ne connais pas le truc, hein? Hein? Comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Salut les garçons, merci beaucoup.